Bonjour à tous. Me voilà de retour pour répondre à vos questions après une petite pause. C'est super important de se reposer pendant le confinement. La question du jour concerne la pratique du Wing Foil en Sea Lion. Quelles vont être les différences par rapport à un flotteur classique? Première chose, la longueur supérieure, le volume plus important et le poids. Ces trois critères-là vont apporter plus de facilité dans tous les domaines. Je m'explique. Le départ au planning va être beaucoup plus progressif, beaucoup plus doux. Le vol va être beaucoup plus stable parce que le volume supérieur du flotteur va écraser et donc va calmer un petit peu les ardères du foil. Les transitions vont être beaucoup plus faciles pour toutes les raisons citées précédemment. Ça va être beaucoup plus stable, beaucoup plus progressif. Donc c'est beaucoup plus facile de faire du wing foil au début sur un Sea Lion. Sur un flotteur plus court, plus compact, plus léger, le foil il est au maximum de sa nervosité. Dans la pratique, sur un flotteur classique, wing foil, donc, on est déjà positionné par rapport au foil. Donc c'est vrai que sur un Sea Lion, comme je l'ai expliqué en subfoil, au moment du départ, il faudra se placer plus en avant au niveau du point d'équilibre. Donc debout pour ceux qui sont à l'aise ou à genoux pour ceux qui le sont moins. Et dès que ça commence à glisser, on se recule et on vient se positionner au-dessus du foil. La différence en wing foil, c'est qu'on a une légère sustentation grâce à l'aile. Donc ça permet de moins reculer son pied arrière et donc de contrôler encore plus son foil pour pouvoir atteindre des vitesses plus élevées. Au niveau du choix du foil, jusqu'à présent, on a tout fait avec la FS Surf ou la FS Alpha et son mât de 70 cm. C'est vrai que qui dit wing foil dit vent, donc dit clapot et dit vitesse plus élevée. Donc aujourd'hui, on a des longueurs de mât plus importantes. Donc c'est vrai que dans cette pratique-là, je conseillerais d'avoir un mât un peu plus profond qui va apporter de la tolérance dans les accélérations et dans les vitesses plus élevées. Chez AFS Alpha, on a un stab qui fonctionne merveilleusement en wing foil. Et en wing foil, c'est le stab 440. Il est quasiment symétrique. Il est ultra stabilisant. Donc dans la pratique, dans la navigation, c'est un super bon stab. On perd un petit peu en pumping par rapport aux autres stabs, mais il apporte vraiment de l'appui dans la navigation. En ce qui concerne le choix de l'aile, chacun va choisir sa surface par rapport à son spot. Dans le sud, on va utiliser des ailes plus petites. C'est vrai qu'en Bretagne, on a tendance à utiliser des ailes un peu plus grandes. Moi, perso, ma préférée, c'est la 5 mètres, parce que j'aime bien avoir ce petit appui, ce petit côté stable supérieur qu'on peut retrouver par rapport aux ailes plus petites. Mais ce n'est que mon choix personnel. J'ai tendance à utiliser un harnais, un bout de harnais. Je trouve que c'est mieux pour caper, c'est mieux pour aller plus vite. Et avec AFS, aujourd'hui, on travaille sur un harnais leash, en fait, hein. Donc, c'est un harnais ceinture. Donc, on va être relié au flotteur sur l'arrière et on va accrocher son aile sur l'avant. Donc, en sup, harnais leash traditionnel. Et on a rajouté des boucles sur lesquelles on a juste besoin de rajouter un simple crochet pour pouvoir naviguer au harnais. C'est du développement, c'est dans les tuyaux, on en reparlera très bientôt, mais bon voilà, on bosse pour l'évolution du sport encore une fois. Merci à tous. Encore une fois, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu correctement, si vous avez besoin de plus d'informations, commentez en dessous, envoyez-nous un petit message, on est à votre disposition pour vous répondre. Aucun problème. À très bientôt, on tient le bon bout les gars.